son royaume, tous écrient gloire. Alléluia. Dans notre monde, l'homme s'écrie moi ou Alléluia, ce qui est un cri de révolte ou d'opposition, tandis que dans le royaume de Dieu, tout s'écrit Alléluia, ce qui signifie gloire à Dieu ou que Dieu soit béni. Dans notre monde, l'homme s'écrie « Béni est celui qui vient au nom de l'argent ou du commerce, ce qui est la prostitution. » Dans le royaume de Dieu, tout s'écrit « Béni est celui qui vient au nom du Seigneur, celui que Dieu a envoyé, le Siloé. » Dans notre monde, l'homme a compris qu'il doit se vendre pour avoir de l'argent. C'est pourquoi il s'écrit « Alléluia » ou « Achetez-moi ». Il fait sa réclame, se vante, il cherche à se faire embaucher, se prostitue, au meilleur prix, au plus offrant. Dans notre monde, l'homme se demande sans cesse comment il peut faire pour jouir davantage. L'insatisfaction. Dans le royaume de Dieu, chacun a reçu un nom par lequel il loue le Seigneur. La plénitude. La sagesse. L'homme observe et admire la création. Cette nature qui rend gloire à Dieu, et il observe que cela n'attire pas l'homme vers Dieu, mais qu'au contraire, l'homme pille et meurtrit cette création de la même manière que le diable pille et meurtrit la création de Dieu, l'homme, afin de le détruire avec lui. Dans son royaume, tout s'écrit gloire. Il est temps de vomir ce monde et de se préparer à entrer dans le royaume de Dieu. Ô homme, n'attends pas que la mort te prenne. À toute chose sa saison, et à tout désir sous les cieux son temps. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. La mort des bien-aimés de Yahweh est précieuse à ses yeux. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour de l'adversité, prends-y garde, car Dieu a fait l'un exactement comme l'autre, afin que l'être humain ne trouve rien à redire après lui. Ecclésiaste 3, verset 1, psaume 116, verset 15, Ecclésiaste 7, verset 14. Amen. Dans notre monde, l'homme s'écrit « Moi » ou « Alléluia », ce qui est un cri de révolte ou d'opposition. Révolte ou d'opposition. Dans le royaume de Dieu, tout s'écrit « Alléluia », ce qui signifie « Gloire à Dieu » ou « Que Dieu soit béni » ou « Que Dieu soit béni ». L'homme a compris qu'il doit se vendre pour avoir de l'argent. C'est pourquoi il s'écrit « Alléluia » ou « Achetez-moi » ou « Achetez-moi ». L'homme observe et admire la création, cette nature qui rend gloire à Dieu. L'homme pille et meurtrit cette création, et de la même manière que le diable pille et meurtrit la création de Dieu, l'homme, afin de le détruire avec lui. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour de l'adversité, prends-y garde, car Dieu a fait l'un exactement comme l'autre, afin que l'être humain ne trouve rien à redire après lui. Il est temps de vomir ce monde et de se préparer à entrer dans le royaume de Dieu. Ô homme, tu n'attends pas que la mort te prenne. Pas que la mort te prenne. Son royaume, tout s'écrit gloire, tout s'écrit gloire.